Sur le 107.7, la fréquence sécurité, la fréquence. Au PC de la société d'autoroute du sud de la France, tout est calme. Les ordinateurs ronronnent, la radio diffuse des informations sur le trafic. Bien encore en direction de Toulouse, sur le réseau autoroute du sud de la France, et bonne nouvelle, la circulation est tout à fait normale. Cependant, restez vigilants, en effet, vous risquez de rencontrer des chaussées mouillées. Donc, respectez bien les distances de sécurité et la vitesse maximum qui, sous la pluie, je vous le rappelle, est de 110 km/h. Parfait, 107.7. FM. Traffic information, major roadworks, and weather updates in English every half hour between 7 a.m. and 9 p.m. Radio traffic, we groove, you move. Comment depuis des siècles peut-on lire l'heure? Radio Trafic vous invite à la découverte d'une pendule solaire sur Orange, le quartier général des gendarmes de l'autoroute. À 112, 112 de 811. 8 h du matin. Ouais, de 811, on me signale un accident là avec un Papa Lima qui serait couché sur le terre-plein central au PK 24 sens sud-nord sur Alpha 9. Le chauffeur est incarcéré a priori. Les pompiers sont avisés, vous transportez également, parlez. Oui, de 112, je me transporte sur le lieu, je vous rappelle dès mon arrivée. Ouais, c'est bien reçu. Quelque part sur l'autoroute du soleil, sur le fleuve de bitume, en dehors du lent courant de la circulation, une épave. Pour les gendarmes, rapidement arrivés sur place, c'est la routine. Réconforter, soulager, et surtout éviter le pire, l'enfer du carambolage. De garde 24 heures sur 24, le gendarme est disponible pour toutes sortes de missions. Sur l'autoroute, secours d'urgence, mais aussi contrôle de vitesse, mission de surveillance sur les aires de repos, lutte contre le trafic de drogue. Il arrive souvent que les 30 gendarmes du peloton d'Orange soient débordés. Dans le cadre de l'affaire de Carpentras, là. Ils viennent de 9h30. De Chanas, reçu. Ouais, c'est bien reçu. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu, quoi? Eh ben eux, ils assurent donc le transfert du gars, là, à présenter à Marseille au parquet. Il faudra aller piloter dans Marseille, quoi, parce qu'ils connaissent pas. Ah, ok. La brigade d'intervention rapide est réquisitionnée par le parquet de Marseille. Sa mission, escorter, mais aussi protéger un prévenu qui doit être entendu dans le cadre de l'affaire du cimetière de Carpentras. Cette mission est prioritaire. C'est plat, tu tires un plateau, et après tu vas avoir une grande descente, et tu as la patte d'oie, à gauche Aix, et toi à droite Marseille. Pour les gendarmes, c'est la routine. Des convois exceptionnels, ils en font au moins deux par semaine, avec des transports de matières dangereuses à destination des centrales du Tricastin ou de Marcoule. Sans compter les transferts de vieux billets que la Banque de France effectue à l'improviste. Leur 11h. Des vols viennent de se produire sur une aire de repos. Une patrouille s'y rend immédiatement. Pendant que les gendarmes entendent les plaignants, l'équipe de gitans qui est en cause a continué à casser d'autres voitures. Le manque d'effectifs se fait sentir. On partait sur Nice, là, donc en vacances. Et puis donc on s'arrête juste pour souper un petit peu, et puis au retour, ben, la voiture était ouverte, et puis voilà, il manquait notre sac banal avec tous les papiers à l'intérieur. Quoi. Il y a une autre voiture qui s'est fait fracturer. Voilà, c'est le Renault Espace Bordeaux qu'on voit là-bas qui s'est fait fracturer la vitre au niveau du rétroviseur pour prendre le portefeuille qu'il y avait à l'intérieur. On est tout ça pour les... Ouais, mais la journée, ils ont peur de rien. Il y en a une autre voiture par contre qui a Cavelle.
ça veut dire mort. Le Mercedes, ça fait même 3 semaines qu'il est. Ah bon ? Et le coffre fracturé, la vitre arrière, je peux s'y aller, je suis allé au PAO, il s'en occupait. Je suis même pas au courant, moi. Une carte American Express. Attendez, vous connaissez le numéro de votre carte bancaire ? Ouais, on verra dans la voiture. 0198. Moindre rôle, c'est 3000 marques dans une voiture, c'est un appareil photo qui vaut 8000 francs, c'est en 10 ou 20 secondes, on vole le montant d'une paye d'un Français moyen. Donc déjà, sur le plan moral, c'est pas supportable. Et puis, il faut quand même savoir que maintenant, ce phénomène prend une proportion telle que dans les pays étrangers, on en parle ouvertement dans les radios nationales et on leur dit, attention, en France, les aires d'autoroute ne sont pas sûres, faites attention. Il faut qu'on mette fin à ce phénomène le plus rapidement possible. 12h. Il faudrait vous rendre au PK 162 plus 500 en nord-sud. Véhicule en feu, reçu véhicule en feu. Reçu, j'ai une circulation, il y a des blessés, c'est ceci. A priori, pas de blessés, ça serait un véhicule en feu juste avant la station totalement nasse, reçu. Reçu, vous avez prévenu les pompiers ? Pompiers avisés, télécom en cours, reçu. Reçu, prévenu en même temps. Une voiture est en feu. Dangereux car la garrigue est sèche et peut d'un instant à l'autre s'embraser. Il faut faire vite, dévier les circulations et surtout essayer d'éviter les embouteillages. Pour ces deux automobilistes, les vacances sont finies avant même d'avoir commencé. Après de dures négociations entre le ministère des Armées et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, celles-ci se sont engagées à verser au ministère des sommes importantes pour la protection de ces 5000 km de rubans autoroutiers qui constituent l'infrastructure des autoroutes payantes en France. Ces sommes devraient être reversées à la gendarmerie pour qu'elle puisse enfin moderniser son matériel. Heures. Alerte, des gitans ont été vus sur l'aire de Mornas, la BRI s'y rend immédiatement. Pourquoi les gitans, ils se déplacent comment en temps? Bon, en général, ils se déplacent dans les véhicules. Quand ils veulent faire des coups, ils se déplacent dans des véhicules très puissants, style BMW série 7. En général, ils sont 4 à bord. Le plus souvent, ils sont accompagnés d'un autre véhicule. Et ils sont armés de fusées à pompe. Un contrôle de voiture suspecte commence. Mais un événement vient troubler le dispositif mis en place. 811-210, alors que je vous explique ça. La Renault 18, là, qu'on a identifié tout à l'heure. Hein. Alors, ces gens-là, en fin de compte, il s'agissait d'un couple accompagné de leurs deux enfants. Hein. Alors, ces gens-là sont repartis et ils ont oublié un gamin sur l'air, là. Ils ont oublié un gamin sur l'air. Il a 13 ans. Alors les parents reviennent. J'ai passé les consignes aux différents commerces qu'il y avait sur l'air. Si des fois vos parents téléphonaient ou quoi, ça vous récupérez. Oui. Et vous avez une Renault 18? Et vous n'êtes pas aperçu que votre fils n'était pas dans la voiture? Oui. Ah. Oui, je ne dis pas le contraire. Hein. 18h. Alerte générale.
Ce que tout le monde redoutait est arrivé. Un accident mortel. Un camping-car allemand s'est fait percuter par un camion. L'enquête commence pour déterminer la cause de l'accident. Tu vas me mesurer l'avant de la semi-remorque là, ouais, par rapport à la glissière. Mesures et croquis vont être indispensables à l'enquête et seront transmis au parquet d'Orange. Au PC, on prévient immédiatement la famille. Le conducteur du poids lourd sera examiné par un médecin. C'est le docteur Loukine qui monte pour la prise de sang. Très bien, je vous remercie. Tu vas à la... Les appelés du contingent sont également réquisitionnés. Oui, c'est pour un dépannage. Mais le manque de matériel se fait sentir. Et vous avez remarqué quel problème, quelle panne? Vous n'avez pas de machine à écrire? On en a une qui date de 1973 et qui nous pose un peu des problèmes. On est informatisé, mais bon, pour certaines procédures, on se sert de machines. Pratiquement tous les gendarmes sont équipés de machines personnelles. Vous étiez loin encore des voitures? Ah, on était. Il y avait. Les témoins d'accident sont interrogés. Vous vous rappelez ce que c'était? Le gendarme sauveteur, tout le monde connaît, mais le gendarme est aussi un enquêteur. Comme la police judiciaire, il a le pouvoir de mener investigation et interrogatoire. Ce militaire, qui effectue parfois 50 à 70 heures par semaine, peut être appelé à tout instant, même quand il est de repos. Vous êtes de repos, là ? Ouais, ouais. Bon, vu la gravité de la situation, ben, j'ai été rappelé. On est d'accord, c'était pas mal. C'est bon. Est-ce qu'il y a beaucoup d'usagers allemands qui prennent l'autoroute, hein? Beaucoup d'allemands. Ouais. On a énormément l'été. Bon, parce que la plupart ne font que passer sur notre secteur pour se rendre en Espagne ou pour rentrer d'Espagne. Les blancs, on peut pas trop travailler. Un petit peu? Ouais. Plus on a un petit problème avec la moto là qui pète à radet, elle tombe sur un cylindre. Ah bon? Ouais. Bon, on a des voitures qu'on est obligé de finir qui ont plus de 300 000 km. C'est un peu. Et radio? Les radios, on a beaucoup de problèmes de radio. Interférences. Autant sur autoroute, on est. Ils auraient passé. Ouais. Bon. Minuit. Surveillance des aires de repos. On dit aux employés régulièrement de fermer parce que c'est un accès possible pour les gens qui viennent faire des vols sur les airs. Donc une clientèle pour nous, quand on se passerait. Le portail est encore ouvert. Alors bien, on le répète. Le portail il est ouvert, les vols qu'on a sur les airs, à chaque fois, c'est facile. Hein. Surtout qu'on vous le dit. On vous le dit, vous n'en tenez pas compte. Ça fait la cinquième fois que je le dis. Après la surveillance, la planque. Nous passons par un tunnel d'écoulement d'eau qui est utilisé par les diverses bandes qui sévissent sur l'air.
L'attente. Puis un homme seul apparaît, change de voiture, disparaît immédiatement. Informé par radio, le PC fait savoir qu'il est passé par l'un des portails de sécurité qui longe l'autoroute sur toute sa longueur. Bilan, une voiture volée récupérée. On va boire un café, allez. Tout petit, allez, ça va détendre l'atmosphère. On parlait de la Bretagne. Là. Ouais, Bretagne chez Lille. Bretagne chez Lille. Je préfère sur la plage de Randonnée quand même. Ouais. Sur la plage, là, quoi. Non. Non, mais j'arrive au cul, là. Là, vous voilà, là, là, j'ai traumatisé. Allez. Ça, c'est le track de l'artiste, hein. Mais ouais, le track de l'artiste. 4 heures du matin, dans le baraquement des gendarmes auxiliaires, une équipe se prépare pour la relève. C'est vrai. Dur. Dur. Courte nuit. Je vais te coucher à quelle heure ? À minuit et demi. Tu prends le service à quelle heure ? À 5 heures. C'est à 5 heures moins le quart. Ils ont tous été volontaires pour la gendarmerie le temps de leur service. C'est l'image du gendarme lié au sauvetage des populations en détresse qui les a séduits. Ils représentent maintenant 30% des effectifs. Sans eux, ce corps d'armée ne pourrait fonctionner, faute de personnel. Une instruction de 2 mois leur est donnée, suivie de tests de tout genre qui servent d'examen de passage. Seulement un quart des volontaires seront finalement retenus pour le service auxiliaire. Un véhicule volé, son art de repos. Le ruban de la machine à écrire de Sandis est mort aussi. Allez, après les armes. Le port d'une arme leur est accordé, mais dans un cadre bien défini et des conditions de sécurité maximales. Après leur service, certains d'entre eux postuleront pour un engagement dans la gendarmerie. Peur du chômage ou conviction personnelle, nul ne le sait vraiment. Qu'est-ce que vous faites là ? Non, on fait une petite recherche pour voir si... Il faut savoir si la voiture volée retrouvée cette nuit n'est pas impliquée dans les vols qui occupent les gendarmes depuis quelques jours. La chasse continue. J'ai appris que j'avais possibilité de faire mon service militaire en gendarmerie, donc j'ai pas hésité. Ouais. Voilà. Appel d'urgence. Gendarmerie, j'écoute. La volonté du président de la République était, comme vous le savez, de professionnaliser l'armée, les armées. Nous, nous sommes des professionnels. C'est vrai que nous avons en notre sein des gendarmes auxiliaires qui nous rendent les plus éminents services. Pour ce qui me concerne, je souhaite qu'ils restent chez nous, ou plutôt qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous ayons toujours des gendarmes auxiliaires à notre disposition, ainsi que des réservistes de la gendarmerie pour que nous fassions notre travail du mieux possible au profit de nos concitoyens. Moi, ce que je voudrais, c'est que mes effectifs, bien entendu, ne diminuent pas, surtout pas. Absolument, les gendarmes auxiliaires, absolument qu'on en a besoin. Il faut quand même dire la vérité, en nombre, si on n'a pas ce genre de personnel, on sera incapable de fonctionner. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils représentaient un petit tiers de l'unité. Vous vous rendez compte qu'ils ont une place importante à jouer. Hein. Je pars d'ici 2-3 heures maintenant. Je reviens d'ici quelques temps pour fêter mon départ avec mes collègues. Ouais. Et après, la vie civile, oui, c'est ça.
Je vais reprendre mes études. Je vais faire histoire pour ma culture générale. Ouais. Disons. Histoire, je vais monter au DEUG et après... après. En cours d'année, je vais passer le concours gendarmerie et j'espère être reçu pour y rentrer. Alors votre copine fait la gueule ou quoi? Non. Même au contraire, elle est contente que j'ai trouvé ma voie, dirons-nous. Ouais. Elle est... Non, même la gendarmerie offre énormément d'avantages qui ne sont pas négligeables. Qu'est-ce qu'elle fait? Ma copine, elle fait des études en art. Pour l'instant, elle est aux Beaux-Arts. Elle est aux Beaux-Arts? Oui, en seconde année. J'aime cette surprise de tous les instants, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, en fin de compte. Hein. J'aime ça, quoi. C'est tout sauf un travail routinier. Pour toutes les patrouilles de 811, vous recherchez et vous interceptez un véhicule Peugeot 304 de couleur gris métal. Numéro 443. Pour combien de temps encore la gendarmerie pourra-t-elle faire bonne figure, sans moyens, avec des effectifs qui vont encore se restreindre? Pour les gendarmes du peloton d'Orange, l'avenir n'est pas au beau fixe. Mais l'espoir d'un changement reste toujours d'actualité. Trois jours sans manger et sans boire. Alors là, j'aimerais le voir. Bon, comme il faut pour fonctionner sous préfet en mobilité. Bon, allez, que je numérote mes voitures. Dès qu'il arrive. Qu'est-ce que t'as dit là, Chocadelle? Tu pourrais partir? Ça fait trois jours qu'il est dessus. En Perm, je pourrais partir. Après, je pars en Perm pour quatre semaines. Oui. Et ils ont de la chance, les gendarmes, alors. Ouais. Et combien de temps vous n'avez pas pris de perme? En clair, 18 ans, 3 jours. Mois de mai. Ouais, mais ça, allez, prendre quand vous voulez, monsieur. On va aller pêcher la moule, on va aller pêcher. Il y a rien, votre machine, elle date de quand? C'est la même question que ce matin. 1973, elle n'a pas vieilli. 73, c'est bon? Eh oui. On dirait 45, quoi. Mais on travaille beaucoup aussi. Ah oui, ça.